Salut, c'est Lincha dans Poudindin, Poudindin, Pou, sur la photo. Alors Lincha, c'est plutôt Fali Ipupa ou Singila? On va dire Fali Ipupa. Pourquoi? Parce que Kobo Sanate. Pourtant, Singila, c'est joliment, j'avoue. Mais Kobo Sanate, on l'a écrit à deux, que ce soit au niveau des textes, au niveau de la mélodie. Et le fait que je demande à Fali d'entrer dans son monde à lui, parce que c'est un titre sur mon album, une production, une de mes productions, et j'avais envie de venir dans son monde, pas qu'il vienne dans le mien. Et j'ai aimé la rumba, j'ai aimé composer ce titre avec lui, c'est un grand chanteur. Et surtout, j'ai produit le clip à Kinshasa. Donc il y a tellement de choses autour dans lesquelles je me suis vraiment investie par rapport au clip Je veux que tu mentes, qui était donc avec Warner. J'ai suivi le mouvement là, on a créé, on a produit ensemble. Donc voilà pourquoi. Bossanate, je voulais chanter, mais j'ai pas le droit, désolée. D'accord, c'est pas grave. Rêveuse ou réaliste? Un peu des deux, c'est dur, mais très réaliste, très pragmatique. Après, tout tac, tout tac, vous savez pas ce que ça veut dire, mais vous le saurez. Avec make-up ou au naturel? Ça dépend, mais souvent make-upé parce que je travaille beaucoup. Et pour le travail, je suis maquillée, oui, je l'avoue. Ok. Ce n'est pas mon âme naturel. Garba ou Aloko? Ça se compare pas, mais bon, on va dire Aloko. Pourquoi? Ben, c'est sympa, c'est sucré, c'est frit. On aime tous la friture. Le garba, on est d'accord, mais c'est le poisson, la tchéké, les petits oignons, le petit piment. J'aime bien. Mais pourtant, je suis plus salée que sucrée en fait. Je change garba, pardon. Adam ou Ève? Ben, Ève, forcément. Voilà, déconner, mais. Ah, ma sororité. Blanc ou noir? Noir. Pourquoi? Ben, en tout cas, cette couleur-là, déjà, concernant les vêtements, on préfère. C'est ça, merci. Et non, je trouve ça super classe. Et il semblerait que notre couleur marron l'appelle noir, donc c'est mon noir. Bad boy ou good boy? Ça dépend pourquoi. Mais je crois que je suis plutôt bad boy. Ça me réussit pas, mais bon, c'est pas grave. Chirurgie esthétique ou le sport? Plutôt sport, mais bon. Après, des fois, c'est compliqué, mais plutôt sport. Dis-nous ta plus belle anecdote avec la Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, parce que je suis venue en Côte d'Ivoire, je crois, la première fois, il y a pratiquement 20 ans. Et j'ai une coupe courte, c'est vraiment ma marque de fabrique. Et des fois, il y a une mèche. Et de voir que dans les salons de coiffure, il y avait ma photo partout avec ma coupe. Et quand tu arrivais, tu disais « la coupe Lincha ». Anecdote numéro 1. Deuxième anecdote, c'est de voir que « Je veux que tu mentes », c'est devenu un hymne. Franchement, je venais, les gens, les femmes et les hommes connaissaient ce petit cœur tel un hymne. Et pour moi, c'est une belle anecdote et surtout, ça m'a touchée. Et jusqu'à maintenant, 20 ans ou pas, c'est plus tard. Ben, le titre, c'est toujours, il est toujours dans vos cœurs. Donc ça. Merci beaucoup. Salut Leto ou Didier Drogba? Ah, Drogba, moi je suis Côte d'Ivoire aussi. D'accord. C'est tout. Bien. Bravo.